Nous devions façonner ce monde. Notre terre, allègrement rasée par la météorite nommée Apophis, nous devions la reconstruire. Mais un homme s'y est opposé. Nicolas Rain. Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde. Les arches ont émergé. Les écopodes ont dégringolé, encore immatures, déversant la vie sur des terres nues, relançant le cycle de la vie, comme nous avions prévu de le faire avec notre propre espèce. Notre monde est mort dans l'œuf, à cause de cette populace, naïve et arrogante. Le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé. Notre aide a été égoïstement refusée. Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race. Quelle vanité! Ils nous ont cru vaincus. Nous les avons laissés y croire. Mais nous avons œuvré en secret. Nous avons vu leurs chamailleries, leurs insignifiantes petites guerres, leurs tentatives puériles de tirer l'ordre du chaos. Et nous avons grandi. Notre science, notre expertise, tout était aligné. Tout n'avait qu'un objectif. L'élimination chirurgicale des faibles. L'humain, nouveau. Nous broyons leurs défenses. Nous prenons leurs enclaves. À nous, les Arches. Ce soir, nous rasons leurs camps et leurs baraques. Ce soir, c'est le début de la purge. Ce soir, c'est la renaissance de l'autorité! Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Rien de bon. On ferait mieux de se préparer et d'y aller.